dans les années 80. On a découvert des ossements, tout simplement à Alger, dans ce qui s'appelait à l'époque la cité des Allobroges, qui s'appelle la cité Melki. Eh bien, aujourd'hui, nous essayons de monter une vidéo pour parler du cheval barbe, qui est un cheval spécifique au nord de l'Afrique, que l'on connaît très très mal parce qu'il a été délaissé pendant quelques décennies après avoir été le cheval le plus connu dans le monde entier. À la fin des années 80, on considérait que c'était un cheval introduit du Proche-Orient via l'Égypte vers -1500. Or, dans les années 80, on a découvert des ossements que l'on connaissait depuis très longtemps, mais qui avaient été mal identifiés, qui appartenaient à un cheval. Tout simplement à Alger, dans ce qui s'appelait à l'époque la cité des Allobroges, qui s'appelle la cité Melki. Et à partir de là, on a remis en question toute l'origine de ce cheval. On penserait qu'il est originaire d'ici. Alors depuis, bien sûr, on a fait énormément de travaux, et en particulier des travaux de génétique. Et les travaux de génétique qui ont été faits par les Espagnols ont montré que c'était la forme de cheval la plus ancienne du monde, qu'elle avait 200 000 ans de plus que toutes les autres formes. Ceci lui donne donc des caractéristiques extrêmement anciennes. C'est à cela qu'il doit d'avoir été un excellent reproducteur que pendant des décennies on a utilisé pour constituer de nouvelles races, dont le pur sang anglais. Son sang se retrouve à peu près dans tous les chevaux du monde. Mais il a un défaut. Il n'est pas très beau. Il a la queue plaquée entre les fesses, qui baisse la tête. Mais dès qu'on l'approche, il a une réaction tout à fait spectaculaire. Il change du tout au tout. Il faut noter donc sa douceur, son influence sur un certain nombre d'handicaps, et en particulier chez les autistes. L'Algérien aime bien tout ce qui vient de l'extérieur. Je crois que c'est un petit peu un complexe, qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison d'être, parce qu'il pourrait être tout à fait fier de tout ce qu'il a. Je ferai un clin d'œil à la préhistoire, ou qui montre combien les civilisations préhistoriques ont été riches dans les zones sahariennes et maghrébines. Accordant peu d'importance à ce qui est local, eh bien, ils ont tendance à délaisser le cheval. En fait, le cheval a été conservé tant que les fantasias ont été maintenues de la façon la plus traditionnelle qu'il soit. Parce qu'à ce moment-là, c'était entre les tribus des compétitions, et chaque tribu voulait avoir les meilleurs chevaux. C'est cela qui a permis de conserver encore quelques chevaux. Mais petit à petit, les fantasias ont elles aussi un peu dégénéré, et on est arrivé à vouloir des chevaux de plus en plus grands. Pourquoi ? Pour être de plus en plus haut, ça n'apporte en fait pas grand-chose, mais ça amène à croiser un cheval de grande qualité avec un peu n'importe quoi, bien souvent. Nous allons sur le terrain pour vérifier les chevaux. Et jusqu'à présent, malheureusement, nous avons essentiellement trouvé des chevaux qui sont à 95, 96, 98% barbe, mais totalement barbe. Cela est exceptionnel. Pour essayer de sauver le cheval barbe, on a créé une association qui est la Fondation pour la promotion du cheval d'une manière générale. Parmi nos ambitions, il y a celle de relancer les jeux équestres qui se pratiquaient sur les hauts plateaux il y a encore guère plus de 50 ans et qui ont, semble-t-il, quasiment totalement disparu. Or, je sais qu'il y a des jeunes qui sont prêts à s'investir dans ce genre de spectacle.